Bonjour tout le monde et bonjour à vous YouTube, bienvenue pour cette nouvelle VOD. Ils nous On ont pas vus. continue Ghostwire Tokyo. C'est le moment. Et on continue à chercher des petites choses avec des missions secondaires. On va continuer les missions secondaires, récupérer les yokai et choper un peu des âmes à droite à gauche dès qu'on trouve quelque chose avant de continuer la campagne principale. N'hésitez pas à lâcher votre petit follow sur la chaîne parce que je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde les vidéos, génial. Les VOD, mais il y a beaucoup de monde qui n'est pas abonné, donc hop, purée, n'hésitez pas, c'est gratuit et au moins vous êtes prévenu quand il y a une vidéo. Sachant qu'il y en a une tous les jours à 19h. Merci. C'est arrivé. Ouais. Il peut finir. J'ai réussi à finir ma phrase. Je pense que ça mérite un succès. Ok. Alors, on est où? On est là. On a des missions secondaires à faire en barre. Est-ce qu'on a d'autres yokai à choper sur le côté? Non. Ok. Cette zone n'est pas trop mal. Et ben, on va aller faire ça. On va se téléporter. Bon, on va pas se téléporter. On va y aller à pied. Ça nous permettra de découvrir des choses. Tiens, regardez là-bas. Ah. Bah voilà. On prend du manger en plus. Elle, je les aime pas du tout. On va passer en Tsum Tsum. On va tracer la route. Voilà. Pas le coup tout de suite. Oula. Ah oui, parce qu'il y a tous les trucs en haut. Il faut qu'on achète aussi les figurines. Hop là. On récupère tout ce qu'elle a. Les mêmes trucs.
Alors. Ah voilà. Requête terminée. Celui-là, on l'a déjà acheté. On va voir si on peut pas acheter. Tiens, on peut acheter des flèches. La bonne trouvaille ? Je pense. Allez, on va aller là. Hop là. Bon, allez. On va juste prendre lui qui est accessible. Et ceux sur les toits, on verra plus tard. Mission secondaire. Ah bah non, encore. T'es Yosuke, toi. Je te reconnais. On a joué avec toi tout à l'heure. Oui, je veux jouer plus. Allez, s'il vous plaît. Il est quand même sacrément obstiné. Faisons encore une petite partie. Youpi ! Ok, je vais me cacher quelque part dans le sanctuaire. Venez ! Cache-cache 2. Il est dans le sanctuaire. Il a fermé à clé. Cherche la clé, elle doit pas être loin. Trichant un peu lui. Bizarre, je ne trouve pas la clé du sanctuaire. J'aurais juré l'avoir laissée dans l'hall principal. Ah, je l'ai pas pris. Jeu débile. Ah.
chapardeurs. Ils entreposent leur butin sur le toit du sanctuaire. Alors... Voilà la clé du sanctuaire. Fin de la partie. Ce petit caniou là. Quoi ? Je le vois pas. Il est parti où ? KK, tu crois pas que tout ça pourrait avoir un rapport avec les disparitions ? Possible. Ou alors il en a eu marre et il s'est barré. Dans tous les cas, la partie est finie. Cache-cache terminé. Ok. Cache-cache 3. Ah, tiens. Oula, d'abord on a tout ça à faire. Un autre cerisier, ça me contaminait. Un esprit a besoin d'aide. On va faire le tour. Hop. Où ce monde. J'avoue qu'on en récolte des esprits depuis tout à l'heure. Encore un. Et là on va faire le chêne. Le cerisier, le chêne.
d'autres cerisiers rouges. Corrompus aussi. On a de la visite. Au boulot. La vie quand je dégomme. J'étais en train de me soigner. J'étais littéralement en train de me soigner. Commence. On a de la visite. Au boulot. Là. Purifions l'arbre. C'est parti. Et ben, n'est pas mal. Un autre cerisier. Il va passer du rouge à rose et ils vont tous fleurir autour. Voilà, comme de vrais cerisiers normaux. Il n'y a plus qu'à ramener une nappe. Et des bières. Ouais. Très bon choix. Je suis d'accord avec le monsieur. Ok. Alors, maintenant, on a quoi d'autre à faire? On a une là. On va passer par le dessus.
Ah mince. Oh. Je sais pas comment je vais remonter, je suis foutu. Jamais vraiment trop aller par là. Hein. Voilà. Il a dû avoir du dégât. Tu penses qu'ils s'en sont sortis ? Eh bien, espérons-le en tout cas. Alors. J'ai traversé ce centre commercial pour rentrer chez moi. Il apparaît quand quelqu'un marche seul la nuit. Pas perdu ? Une créature invisible qui erre en laissant des traces de pas. Chacun de ses pas résonne. Tu crois que ça pourrait être le gars qu'on cherche ? C'est bien possible. Allons-y et faisons le ménage là-bas. Ah, oh, c'est déjà fait. J'imagine qu'ils ont trouvé ça mignon. Je déteste marcher près de cet endroit à la nuit. Regarde, les voilà. Quelque chose ne va pas. On a les empreintes, mais je ne sens rien. Tu penses qu'elles mènent où ? On va bien voir. Ah oui. Vous pensez connaître l'origine des premières pyramides ? Détrompez-vous, les pyramides sont bien plus que des constructions humaines. Regardez par exemple la magnifique forme triangulaire des montagnes. En réalité, le mont Ashitakeyama à Hiroshima est la plus vieille pyramide du monde. Et oui, les pyramides viennent du Japon. Nos ancêtres ont reconnu le pouvoir du triangle des structures pyramidales, donc... Et voilà.
Des structures pyramidales ont donc été construites comme lieu de pouvoir pour accueillir l'énergie sacrée. À l'évidence des propriétés mystiques, à la fois nécessaires, l'énergie sacrée peut invoquer simplement en dessinant un triangle. Voilà pourquoi de nombreux symboles triangulaires sont utilisés pour repousser les mauvais esprits. Oh purée. Ça monte. Ok. Comme ça. Oula. Il y a un passage ici. Continue de suivre, pas perdu. C'est un bordel son truc. On dirait que pas perdu est allé plus loin. On va devoir voler. Oh non, bravo. Voyons si cet ascenseur fonctionne. C'est parti. Essayons d'utiliser cette plateforme pour traverser. C'est un bordel quand même. Ah. Ce gamin, on dirait une sorte de coquille. Pas perdu doit avoir besoin de lui. La corruption nous empêche d'avancer. Dissipons-la. Thank you.
sont fusionnés. Enfin de retour dans mon corps. Donc c'est toi, la perdue. Certains m'appellent ainsi. Oui. Moi, je voulais juste retrouver mon corps. Juré. Je le cherchais depuis un moment. Depuis qu'il a été entraîné dans ce grand trou. Mais quand je l'ai retrouvé, je pouvais pas l'approcher. Je compatis. Je cherche le mien aussi. C'est nul. J'espère que tu le trouveras. Merci de m'avoir aidé. Refermons ce trou pour de bon. Que personne puisse re-rentrer dedans. Portail scellé. Tu sais, quand je repense à ce gamin, j'aurais très bien pu être aspiré seul dans le trou. Ouais. Heureusement que tu ne m'as pas lâché. Ta sollicitude me touche. Et voilà. On va aller se téléporter ici et faire la mission qui est à côté. Alors. Tiens, elle est là la mission. Ah mais c'est cache-cache 3. Revoilà Yosuke. T'envole pas cette fois. On s'est vraiment inquiété. Mais le jeu s'arrête si vous me trouvez. Allez, encore une. Je peux encore aller dans ma cachette secrète. Personne ne m'a jamais trouvé. Oh, bichette. Elle est géniale. Et elle est difficile à atteindre. Un indice sur 9 étages avec une supérette. Allez, je me cache. Pouvez-vous ? On va chercher pas. Ce long, petit. Tu crois pas qu'il est simplement un grand fan de cache-cache ? Jusqu'à non. L'obsession. Il doit y avoir une raison. Cherchons cette supérette. Il est mort dans sa cachette, doudou. C'est pas plus compliqué que ça. Ah, un graffitox. C'est que les graffitis du chien. Partout. Je pensais qu'elle allait avoir des graffitis de plein de trucs différents, mais non. Cet étage, une supérette. Je crois qu'on est bon. Bah tiens. C'est parti, petite expédition dans les bâtiments. C'est mon moment Jean, préféré. Je suppose. Huit étages. Mais on n'en voyait que sept dehors. Appuie pour voir. Bizarre. Ouh. Quatre, cinq, six. Okay. On n'est plus dans la bonne dimension. Huit. Wow. Ça doit être sa cachette secrète. C'est effectivement difficile à atteindre. C'était sûrement sa façon de nous parler de cet endroit. Bien, il est temps de comprendre la cause de ces disparitions. Chouette. Yosuke. Petit gredin. Tiens, il y a un truc en haut, il y a des plateformes.
Ah tiens, il est là. Retrouver son corps. Bon, on va regarder là. Ah bah tiens. Où est-ce qu'il se cache ? Coucou, j'ai gagné. Vous m'avez trouvé ! Je savais que vous y arriveriez. Tu ne veux pas rentrer chez toi ? Oh non ! J'adore venir ici ! Je peux jouer à cache-cache à l'infini ! Alors dis-moi, c'est toi qui as créé cet endroit, gamin ? Oui, c'est trop cool, hein ? Le vrai jeu commence maintenant. Essayez de trouver ! Je crois qu'on a trouvé la cause des disparitions. Et on a encore plus de problèmes à gérer. C'est exactement pour ça qu'on doit se dépêcher de le trouver. Hop là. C'est pas Yusuke ça ? Ah oui, enfant errant dans la forêt. Ah oui, bah oui, ils sont tous perdus. On les a piégés sans le vouloir. Je crois avoir compris où je devais aller. Pas du tout. Oh, peut-être. Ça va, c'est pas très compliqué. Stram, gram. Pas cool. En fait, je saute pas, j'avance. Je pense sauter et avancer, mais en fait, non. Alors ? Merci. Il faut d'abord sauter puis avancer. Salut, je t'ai trouvé. Hey, Morveux, on n'a pas le temps pour ça. Des enfants là. Bah salut, trouvé encore. Encore. En fait, au bout d'un moment, il aura peut-être plus de cachette. Je suis en train de me dire.
sais, certains criminels utilisent toujours les mêmes endroits pour se planquer. On devrait peut-être regarder ses précédentes cachettes. J'ai fait demi-tour sans le vouloir. C'est bien, au moins le jeu perd pas de temps. Ah, gros nul. Impossible de l'ouvrir. Ah bah oui. Il me semble que le toit a été détruit. Oui. On pourrait y aller par le haut. J'ai spoil le tout. Hein. Rien n'avait plus rien à foutre. Bah non, je veux pas faire ça. Je... Mais oh, banane. C'est moins grimpé à la legit. T'es nul. J'ai trouvé. Écoute Yosuke, finis les gamineries. Il faut laisser partir tout le monde, compris? Sinon, il n'y aura plus jamais de cache-cache. Tu comprends? Pourquoi tout le monde veut rentrer à ce point? Si je rentre, je vais encore devoir me cacher. Tu veux pas rentrer chez toi? Non. Si je rentre, maman et papa vont me punir. Ça va aller. Tout va bien se passer. On va t'envoyer ailleurs. Dans un endroit... bien plus joyeux que ta maison. Merci d'avoir joué avec moi. À bientôt. Retour au bercail. Ah, on a réussi. Au revoir les enfants. On a fait notre travail. Tu crois qu'il s'en sortira? J'espère. Pareil. J'aurais aimé qu'il ait une meilleure vie. Bon gosse, parent pourri. J'ai vu ça trop souvent. Cache-cache terminé. Allez, on va faire un petit dépôt d'âme. Ça va nous faire du bien. 16 000 points d'XP. Et voilà. Un petit niveau 47. Alors, qu'est-ce que... Ah bah tiens. Un autre cerisier corrompu. Voyons voir ce qu'on peut faire de ses compétences. Amplitude des attaques du tissage d'eau. Voilà. Bien. On y retourne. Ah, il y a un... Va falloir y aller, Keke. Un arbre à protéger. Voilà. Nous devons sauver le Kodama. Ah
dernier mob. Et voilà. Je pense qu'on a eu ceux qui voulaient s'emparer du Kodama. C'est parti. Merci de m'avoir sauvé. Absorbons son pouvoir et partons. Merci. Ça sera bien utile. Ok, ça va ? Oups. T'en as mis du temps. Ouais, désolé. Au suivant. Hop, on va manger ça. J'ai entendu le bruit d'une attaque. Bah, il y en reste un. Ça me donnerait presque l'impression d'être quelqu'un de dessin. Alors. Mais attends, mais il reste combien de missions là? Il y en a une là. Du monde à la maison. On va aller taper celle-là qui est à côté. J'ai fait elle. Allez, c'est parti. Spirituel ? C'est quoi ce bordel ? Vous entendez les voix de ces anges gardiens ? Très spirituel, hein ? Ange gardien, c'est vite dit. Enfin, je suis Osoreza Noran, l'obus de l'Opiut. Vous me connaissez sûrement ? Non. Montagne angoissante, c'est votre vrai nom ? Peu importe, j'ai un service à vous demander. Comme je vous le disais, mon appartement est devenu très spirituel. Trop spirituel, en fait. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Trop spirituel ? Alors ça, ça me plaît pas du tout. Ouais, j'ai un mauvais pressentiment. Une fois le problème réglé, je vous promets de quitter ce monde, ok ? D'accord. Ça coûte rien d'aller y jeter un œil. Alors où est son appart ? Je pose là. Pas du tout. Et un peu plus loin. Ah, ça fait du dégât collatéral. Cet immeuble me fait peur depuis quelque temps.
glissement est à l'envers. Ça sent l'embrouille à des kilomètres. Allons botter le cul à ces esprits. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? De l'aromathérapie bizarre? Il y a peut-être un spectre dans les toilettes. Cette coupette paille géante sur le lit. C'est peut-être spirituel. Apparemment, nettoyer sa tuyauterie est bon pour le feng shui. J'ai pas l'impression que ce soit un problème de propreté. J'ai une hache. Ah, dommage. Ce placard me semble bien spirituel. Pas faux. Je le vois bien attirer des trucs bizarres. J'imagine qu'elle stream dans cette pièce flippante. Les gens gagnent leur vie de façon bizarre. Merci. Je pense qu'elle est un cas à part. Elle fabrique des poupées maudites ? Magique, je dirais. Elle n'a jamais parlé de malédiction. C'est vrai, elle est à fond dans le spirituel. J'ai jamais vu de poupée de paille aussi énorme. On pourrait mettre ce truc dans un champ. Il servirait d'épouvantail. Regarde avec la vision spectrale si tu vois. Ah, je me sens tellement bien. Il s'en sert comme coussin. Je me t'ai raté. Je suis le gardien de ce placard. Oh là là. Sans moi, il grouillerait déjà d'insectes. Est-ce qu'on devrait avoir peur? Non, c'est juste un spectre. Élimine-le! Spectre gardien du placard. Le spectre de la cuisine. Il n'y a pas le spectre des toilettes. Ah. J'adore les bains aux chandelles. Si vous aimez les bougies, allez plutôt dans un cimetière. Mais il y en a combien ? On dirait qu'on nous surveille depuis la véranda. Il y a quelqu'un ? Je veux vivre ici. Bordel, cet endroit attire vraiment les tarés. Je pense qu'on les a tous exorcisés. Ouais, il y avait du monde, non ? À mon avis, l'endroit est tellement spirituel qu'il a attiré des spectres. Ils étaient 23 à l'appart. Alors. Je me sens tellement mieux depuis que ces maudits spectres sont partis.
Surtout les voisins des Gringos. Nous avons réglé le problème dans votre appartement. Oh, merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Pourquoi votre appartement est-il rempli de spectres bizarres? J'ai pensé qu'en le rendant plus spirituel, il... Non. C'est loupé, croyez-moi. Enfin, le problème est résolu et l'affaire est close. Alors, vous allez quitter ce monde ou pas? Ah oui, merci encore. À bientôt. À bientôt? Oui. Elle compte revenir? C'est ce que j'allais dire. Elle vaut pas mieux que les spectres qu'on a éliminés. Oui, bah oui, j'ai pas pris mes... mes âmes. Ok. On a celle-ci à faire. On va faire un petit épée là. Hop là. Pratique, la mission est en bas. Hop. C'est pas vrai. Oui, mon chien s'est enfui. C'est pourtant mon meilleur ami. En plus, ce n'est pas n'importe quel chien. Il parle comme nous. Et a même un visage humain. Ah. Ça pourrait être lié à nos emmerdeurs. À moins qu'il soit juste en train de se foutre de nous. Chien perdu. On l'a pris, ce chien bizarre là, déjà il y avait un truc momifié. Je sens des visiteurs. Ils sont déchaînés. Ne baisse pas ta garde. Ça marche. Ça m'a l'air d'être un chien normal. Alors laisse-le, on bouge. Dommage, on aurait pu venir y passer un bel après-midi. Eh ben, je t'imaginais pas venir te balader ici. Là, je suis bloqué parce qu'il y a l'autre patate qu'il faut éliminer. Spectral pour retrouver sa trace. Où est-ce qu'il est passé? Il est forcément là quelque part. Maintenant. C'est bon, on va parler au monsieur d'un tunnel maintenant. Niveau 48. Vous devez m'aider. Mon frère est devenu fou. Il croit que je suis un chien et il me tient en laisse. Ah bah. Le voir. On a retrouvé notre chien perdu. Libérons-le. Ce serait cruel de laisser l'emporter. C'est clair. Qu'est-ce que vous faites? Ne touchez pas mon chien! Oula! Mais il ne s'arrête jamais. Il n'a pas le choix. Ah!
fait une bouchée. Bien joué. Maintenant, on s'occupe de lui. Il était marteau, lui. Je suis enfin libre. Je ne serai plus le chien de mon frère désormais. Parfait. Quel genre de personne traite son propre frère comme un chien? C'est sûr. Rien à voir avec toi qui essaie de sauver ta sœur. Je suis pas un saint non plus. Attends. Mais quand même. Oh, côté. Pour le coup, on a terminé cette mission secondaire. Ça va clore cette heure de gameplay. On va aller faire cette mission après. Il va nous rester. Il va nous rester une mission secondaire ici. Et choper les yokai, donc ce sera l'avant-dernière séquence pour l'instant. Donc je fais une toute petite pause pour la VOD YouTube, je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cet épisode sur YouTube, merci d'avoir partagé avec nous sur Twitch. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne Twitch et YouTube, à passer nous voir quand on est en stream. Vous avez un Discord et un Insta disponible, n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite sur Twitch et à très bientôt pour YouTube. Bisous.